et le château Frontenac. C'est un hôtel de 618 chambres qui a été construit en 1893. Nous arrivons maintenant à la place de l'hôtel de ville. We are now entering the City Hall Square. On one side we have the Basilica Square, or as a basilica, as a spirit player said, it's the house of God on that side. And if I say square, it's because in the beginning of this square, it used to be called Basilica Square, and now it has changed for City Hall Square. The other building in front is the City Hall, or the House of the Citizen. And we traverse la place de l'Hôtel de Ville, qui est d'un côté à le site de la cathédrale Notre-Dame, cathédrale basilique Notre-Dame, qui, comme Sage-Mère disait, la maison de Dieu. Et de l'autre côté, en face, nous avons l'édifice de l'Hôtel de Ville, qui selon le même maire, était rue de la maison du citoyen. Et maintenant, la place s'appelle place de l'Hôtel de Ville. Nous tournons sur la rue Saint-Jean, Saint-Jean Street. And as you can see, this street is close to traffic on Sunday and during the evening during the week. Nous venons de tourner sur la rue Saint-Jean, et comme vous êtes quand même de constater devant vous, la rue est fermée au trafic le dimanche et le soir de la semaine. L'Hôtel Dieu de Québec, le oldest French hospital in North America, when the government took over the social services. As you can feel on your seat, Quebec City at the time, is not just traditional, it's really physically depends. La haute ville et la basse ville de Québec ne sont pas seulement une expression, mais c'est physiquement le cas. On Sunday and during the evening, during the week. Nous venons de tourner sur la rue Saint-Jean, et comme vous êtes quand même de constater devant vous, la rue est fermée au trafic le dimanche et le soir de la semaine. Ceci a donné le signal de départ de l'aménagement de Plaine de la Hanne. Et ceci a été fait par le même architecte que le Central Park à New York. Alors, le New York Central Park was the same architect, was designed by the same architect as the New York Central Park. Mr. Frederick Tubb. So that monument was given by Anna Harriet Huntington, who was a New York sculptor.